Dans Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es pas censé bosser à l'intérieur, toi? Nanana. Quoi? Oh, tu me saoules, hein, encore une connerie, tu vas être viré, hein! Mais t'aimes pas, toi, le recadrage! On n'est pas dans une entreprise pour faire du rock, on est dans une entreprise d'agents secrets! Tu veux nous faire passer secret? Eh ben alors, arrête d'écouter du rock! Ça y est, l'entreprise! Bon, c'est quoi, tu me saoules là? T'es viré! Non, t'es pas sérieux là? T'es viré! T'as bien de la chance, hey, ouais! Tu casses! Ah non, ok, tu casses. Ok, c'est bon! Qu'on se revoit plus, sale con! Et reviens plus jamais! T'inquiète, je reviendrai pas avec tes chaussettes pourries! Tu me voyais encore de là faire de la musique. Bon, de toute façon, c'est pas grave, j'ai toujours mon poste de musique. Oh, mais le con, il va continuer! Bon, je le laisse dans sa merde, hein! Et là, je venais en courant. Et tu m'avais pas vu. Salut, poteau! T'as mis en vue première personne, hein? Ouais. Hey, salut, poteau! Comment ça va? Ça va! Bon, j'ai été viré de mon boulot. Ah! Bah, si tu veux, on va à mon appart, il est là-bas derrière. Ok. Allez, viens, suis-moi, poteau. C'est en fur, je vais niquer. Oh non, calme-toi, fais rien. Tiens, ça, c'est sa voiture. J'ai un producteur. Non, arrête! C'est pas sa voiture à lui! M'en fous! C'est la voiture de la personne qui voulait t'offrir un boulot. Quoi? C'est la voiture de la personne que j'avais contactée qui voulait t'offrir un boulot. Oh merde! Faut aller la cacher! J'arrive. Non mais ça sert à rien, il a déjà vu qu'elle était détruite. Ça sert à rien. Ouais merde, tant pis pour lui. Hein. C'est pas grave, hein. J'en ai un deuxième. Il travaille au studio de cinéma. Ah ok. Là c'était quoi, celui que j'ai demandé à Banane? Il s'appelle Vladimir. Ok. Du coup, ben je te laisse. Oh merde. Ouais merci. J'irai le voir au studio de cinéma. À tout à l'heure. Ouais. Bon, alors je vais aller demander ma voiture. Bah avant, je vais appeler quelqu'un. Hop. Tiens, il y a un mec qui m'appelle. Il s'appelle Lester. Attends, on va aller voir ce qu'il me dit. Je connais même pas. Oui, allô. Sérieux, tu pourrais faire ça? Enlever les flics? Ok, je te paye. Putain, t'es trop fort. Bon, okay. T'inquiète, je te rappellerai la prochaine fois. Salut. Parfait. Mais juste avant, je vais juste changer ma tenue. Heureusement que j'en avais une qui était à côté de ma motocross. Ah merde, la VFPS. Voilà, c'est bon, VFPS. Allez, go. Je vais aller au studio de cinéma. Alors, je vais regarder sur mon GPS où c'est. Alors là, c'est... C'est ici. Allez, go. Je suis à 500 mètres. Ça va, c'est juste à côté. Hop. Allez, go. Il m'a dit apparemment qu'il serait peut-être pas tout de suite là, que je devrais l'attendre. Donc on va voir s'il sera là tout de suite. Je pense pas, il m'a dit. Donc c'est pas grave, sinon. Hop. Allô? Ah, tiens, j'ai un appel. Oui, allô? Normalement, Vladimir sera dans sa caravane. Fais pas gaffe à son accent. Hein, il est turc. Ok. Enfin, je sais pas s'il est turc, mais il m'a jamais dit son accent. Ok. Je sais qu'il est turc, mais il a un accent bizarre. Ouais, bon, on se retrouvera là à un moment. Bon, salut, poteau. Bon, voilà. Stop. Faut m'ouvrir, là. Merci. Il m'a dit de l'attendre à la caravane. Ah bah, je crois que c'est lui. Il m'a dit de suivre une voiture comme ça. Bah, je le sais. What? Oh, je sais pas. Bon, mais il m'a dit d'attendre à la caravane là-bas. Donc, moi, je vais y aller à la caravane là-bas. Hop.
Bonjour. Ah merde, j'ai déjà passé le studio de cinéma. Voilà. Je viens pour Vladimir. Il est là? Non. Ah oh, d'accord. Ah c'est voilà. Lui là, il est en cours. Wow. Touchez les flics, j'ai rien fait. Bon, il m'a dit d'attendre là-bas. Voilà ici. Donc, bonjour monsieur Rage. Bonjour monsieur Rage. Il se passe quoi? Oh merde. Bon, moi je vais dans ma caravane. Comme ça trop, ça va pas être super. Ah, au secours. On je vais faire croire que je suis mort. Qui t'appelait hein. Ouais. Attends, mais je me suicide parce que les flics ils sont là. Je vais faire croire que je suis mort. Et voilà. T'as envoyé un message. J'ai hâte de Vladimir. Bah alors. Mais ça me fait pas trop le dire de la limite. Allez hop. Bon, je vais aller voir. Eh, ouvre la barrière là, René. Merci. Oh. Ah tiens, c'est Vladimir. Enfin, Vladimir, hein, c'est trop bien dire. Wow. Non mais vas-y. Les flics, ils me foncent dedans. Mec, on recommence le RP parce que là, c'est pas du tout RP. C'est chiant, les flics. Ouais, par contre, là, on refait pas le truc que t'es viré et tout, parce que sinon, ça va suer. Si. Dès que tu commençais et... Ok, d'accord. Mais ça, c'est chiant. Le flic, c'est même pas moi. Il me fonce dedans, j'ai les flics. Non, je comprends pas. C'est la vie. Elle ne va pas tout le temps te gâter, tu sais. Bon, je vais reprendre mon moto. Je vais prendre mon camion militaire. Non, t'avais pas de camion militaire. Non, mais c'est beau y aller parce que sinon ça va me gonfler. Ouais, bon. Bah attends. Je vais re-aller à l'entreprise. Oh là là, c'est chiant. Mais sinon, l'entreprise, c'est où je suis. Parce que ça fait mieux agent secret où je suis. Ouais. Et genre, là, je serais ton pote, hein, on fait exactement pareil. Enfin là on fait pareil, ou tu me dirais. Mais vas-y, toi je te jure tu me frappes. Ok, ils l'auront voulu. Tatouage. Vas-y, je vais avoir les flics. Non mais mec. Ici, ça fait un bon endroit d'entreprise. Non mais moi j'avais tout. Viens là je suis. Oh là là, j'en ai marre. Non mais moi ça fait un super. Non mais moi je te jure j'en ai marre du jeu, je vais le quitter. Non je rigole mais j'en ai trop marre. J'ai trop de machin. Maintenant mais c'est les si gars qui viennent. T'as juste à sortir ton arme et il va se barrer, c'est tout. Bah ouais mais après je peux avoir les flics. Bah allez go. Non, on disait. Si tu sors l'arme et que tu le vises pas, oui. Il va se barrer. Oui bah allez. 3, 2, 1, là on se. Là je te vois pas. 3, 2, 1, go. Bon, et tu vas arrêter tes conneries là. Qu'est-ce que tu as travaillé secrètement? Et tu travailles pas secrètement quand tu fais tes airs de guitare. J'adore le rock. Bon, et c'est quoi, tu me saoules, t'es viré. Non, tu te fous de moi là. Non. Mais t'es sérieux là? Dégage. Ok, c'est bon. Je veux plus te revoir. Je veux plus te revoir. Moi aussi, de toute façon, t'as qu'une chance à pourrir. T'as dit quoi? Non, malade non, le gars. Malade le gars. Faut que je retourne. Ah, pourquoi tiens, t'es parti? De quoi? Pourquoi je suis parti? Ben j'allais venir près de toi. Ah d'accord, non, désolé. Ah, te revoilà. Ouais, c'est que l'autre qui m'a viré. Donc je sais pas si c'était un bon pour moi. Ah, bah oui, j'ai un autre contact. On refait le truc que tu casses la bagnole, mec. Bon, ouais, ça non, mais on dit pas. On dit pas, on disait. Ouais, attends, j'arrive. J'ai juste un petit truc à régler, attends-moi ici. Voilà. Ça c'est ce pote qui l'a conduit.
Salut poteau, en fait j'ai un truc à te dire, donc déjà tu dégages. Mais t'es con, mais pour toi. Oh merde. Oh bon, c'est pas grave, j'en ai un deuxième. Bah il habite là juste derrière, c'est un producteur de cinéma. Ok, j'irai voir. Bon, on se capte. Salut. Mais va d'abord te faire une tenue de travail. T'inquiète, je vais m'en trouver une là-bas. Il y a des caravanes, je vais quand même voir me changer. Hop. Voilà, parfait. Il y a un parking, je vais pouvoir me garer. Hop. Alors, c'est bon, je peux pas trouver. Voilà. Bon, je vais l'attendre. Ah bah, je crois que c'est le volet. Il m'avait dit qu'il serait en camion. La Limire! Attends, il s'est garé là-bas. Attends, je vais venir. Là, je suis pas en tenue. Attends, je vais aller voir. Et tu me voyais rentrer dans ma caravane et tu rentrais à ton tour. Ouais. Et avant, tu te disais, mais t'es qui, toi? Avec l'accent. Mais t'es qui, toi? Dégage! Ouais, ouais, bon. Et, bah. Oh là là. Ah oui, vieux FPS. Vladimir! C'est moi pour ton boulot! Ah oui, désolé. Alors, pour toi, tu vois, j'aimerais que tu... Que... En fait, je recherche un dernier acteur pour mon film. Ouais. Et j'aimerais que dans le film, tu vois, tu prennes ce camion. Ouais. Et tu viennes écraser l'acteur, tu vois. Mais t'inquiète. Écraser quoi? Le spectateur, enfin l'acteur. Ok. Mais t'inquiète, il sera pas mort. Ok. Et aussi les flics? Non, pas les flics, parce que là, okay. Ce serait pas prévu sinon. Ok. Et il y a qu'un seul acteur, c'est normal. Okay. Les autres arriveront dans des répétitions où toi, tu seras mort. Ok. Dans le film. Du coup, tu les verras pas. Ok. L'acteur c'était un policier, tu l'écrasais. Ouais. Faut que j'aille à l'endroit où ça fait studio de nuit. Mais voir, t'as placé les caméras et tout? Les caméras et tout? Ouais, j'ai tout placé. Ok. Elles sont réglées sur le studio de Hollywood. Ok. Et après, je gagne un peu de fric. Hein. Bon, ok, je vais aller voir. Par contre, il m'a dit, mon pote, que je tournerai qu'un film. Après, ça sera fini ma carrière. C'est bien ça? Oui, mais t'inquiète, ton film, il va te rapporter 5 millions. Ok, bah, parfait. Attends, faut juste que je retrouve l'endroit parce que ces idiots, ils ont tout changé à mon studio. Ah, mais venez, je crois que c'est là-bas. Regardez, venez. Là-bas, c'est où j'ai trouvé? Ah bon? Enfin, moi, je connais pas, donc je veux pas dire, mais bon. Attendez, je vais aller voir, monsieur. C'est peut-être là-bas. Venez voir, il y a toute ma barrière et tout. Ça sera la journée qu'il y aura les gens. D'accord. Ben, en fait, on sera que tous les deux ici. Enfin, non, parce que les autres, en fait, tu vois, ils seront sur les toits bien cachés derrière les fenêtres. Ouais, et les policiers qui me poursuivront, ils sont frais exprès. Et à un moment, je sortirai m'arrêter. Et enfin, je partirai en course poursuite en courant ici. Et après, ils me tueront. Oui, t'inquiète. Ok. Et Matiscott, Matiscott, juste désolé pour le RP, mais à un moment, on fera comme si on disait, allez, coupez, maintenant on peut continuer. Ok, comme si on faisait pas tout. Direct. Voilà, je sais, on va faire un truc imprévu. En fait, ça va genre être un truc imprévu et il y aura des vrais policiers qui vont te poursuivre. Tu vas te demander quoi? Ouais, mais quand même, non. Ouais, mais quand même, on fait mon truc avant. Ok, bon, bah, je crois. Ouais. Je vais aller prendre le camion et je vais faire. C'est quoi cette qualité de merde? Oh, désolé. Pas grave. Ça aussi, c'est de la qualité de merde. Vous m'avez dit plus cette marque. Là, tu venais, on disait. Bon, bah, viens, on va commencer. Je vais prendre le camion comme si j'arrivais vite et je pèterai la barrière et puis j'écraserai un flic. Mais en premier, tu m'as dit que je devrais juste conduire et casser la barrière et après on fera couper et après on continuera. Ok. Non. Je ferai. T'écraseras le flic. Je
je ferai couper. Ok. Et ensuite, on fera la course poursuite. Ok. Ok. Bon, attends, je vais passer comme si j'étais de l'autre côté du truc. Et que je passe au truc du cinéma. C'est bon, t'as la caméra? Ouais, j'ai la caméra. Ok, bon. Mets-toi à la ligne droite, mets-toi pas où il y a tous les matos, Mathis, parce que sinon tu vas pas me voir. Parce que je peux pas aller où il y a tous les matos avec la caméra. Ok, je commence à aller tout droit, hop. Attention, mesdames et messieurs, on commence à tourner un film. On se rappellera les bandits de les militaires. Allez, c'est parti. Ce jeu de cinéma m'inspire pas confiance. Il y a des bandits qui s'y cachent. Coupé. Tiens, elle a dit coupé. Ok. Heureusement que c'est un mannequin, dis donc. Oh putain. Bon, je vais l'attendre. Hop. Voilà, il va déjà faire un petit montage pour le début. Et après, bah, moi, je serai mort. Hein. Et cette fois, je craindrai vraiment un flic. C'est bon? Ouais, c'était nickel. C'était nickel pour le film. Nickel. Okay. Maintenant, va falloir que je recommence ou je repars tout en arrière. Et cette fois, quand j'aurai fini de l'écraser, cette fois, j'aurai une vraie course poursuite. Enfin, je veux dire, il y aura la course poursuite. Ok. Normalement, bah... je sais pas trop s'il y a des policiers qui poursuivent parce que sinon après ça va être chaud pour les retirer. Okay. Bah si, il me tuait. Enfin, comme pour le film. Non, c'est moi, okay. C'est moi qui parle. Bon, on fait quoi d'autre? Oui, non, on disait que maintenant c'était le film Yamakasi. Parce qu'on peut faire, tu sais, les Yamakasi. Ouais. Alors, on a fini le premier film. On va pas la faire. Ah d'accord, j'avais on cru. On va faire plutôt un autre film. Ah oh, merde, je suis désolée. C'est ça s'appellera Yamakasi. Ouais. Ah oui, je connais en là fait, les petites trucs. Est-ce que tu as une tenue de policier ou quelque chose ainsi? Ah, parce qu'il va falloir que je te poursuive. Ou non, c'était toi qui me poursuivais. Dans la vidéo qu'on fait, je dois prendre cet accent-là. Sinon au pire c'est toi qui fais le flic vu que t'as une tenue. Parce que moi j'ai pas de tenue, je suis désolée. Ou alors tu me poursuivais parce que j'étais un gangsta qui t'avait tout volé. Pourquoi ça serait pas un mal? Parce que tu sais j'ai fait une école de 1 an. Après maintenant je sais faire. Ah mais c'est parce que en fait c'est moi qui dois avoir le rôle, c'est comme ça que c'était prévu en fait. Bah alors je sais pas comment si je change tout, va falloir attendre une semaine et les gens ils veulent le faire. Ok, bon bah au pire, j'ai sinon une tenue militaire. Ah oui, pourquoi pas, tu serais un militaire. Ouais. Que je te poursuivais avec le camion et que tu t'es... Et que... Attends, et que tu reculais. Que là tu recules et que j'arrivais à fond et que je m'arrêtais, que t'étais en train de monter. Allez, 3, 2, 1, go. Attends, il m'a... J'en fasse mes amis. Oh, il y a un petit problème. Quoi? Ah, attendez. C'est bon, petit problème, les reggae. 3, 2, 1, go. Ok, je recommence. Allez, go. Ah, j'en fais appel. Ah, c'est lui. Ah, les militaires, encore un. Eh, fais l'accent. Oh merde. Le temps que je descende, il va avoir le temps de monter. Vite. Qu'est-ce que je fais? Vite. Je vais pas dévoiler tout l'équipement militaire. Je me dépêche. Go, hop. Wow. Je sais pas si je vais sauter. Allez, si t'es obligé. Ah, elle est là. Attention, le militaire. Wow, ça glisse. Attention. C'est dangereux ce film. Vite. Ok. Wow, c'est bon.
On disait que ça fait exprès pour le film, t'étais tombé, j'avais pas eu l'argent. Enfin si, non, enfin non, je veux dire. Ah, il est là. Waouh, qu'est-ce que je fais? On disait que c'était fait exprès au pire. Waouh. 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 Oh yes. Merde. Oh merde. J'avais réussi. Je crois que je vais en faire. Et là, ça fait exprès, tu tombais, ça sera la fin du film. Ah oh, c'est bon, je l'ai fait tomber. Oh, je l'ai fait tomber. Et là, c'est la fin. Allez, maintenant, arrête-toi, je te mettais mes notes. Ok, ok, ok. Voilà. Oh, bon, c'est pas parce que je l'ai mes notes que je peux pas courir. Oh, mince. Oh. Ah, il est passé où? Il pouvait... Tu pouvais pas trop courir, t'avais une jambe cassée. Il est passé où? Non, j'avais rien cassé. Ah, mince, c'était imprévu pour le film. Un petit tour de passe-passe, puis ça y est. Voilà, je l'ai vu. Ah, ça sert d'avoir de l'huile. Qu'est-ce que je fais? Ah, mais ça, c'était imprévu pour le film, mais bon, c'est pas grave, au pire. Là, c'était la fin. Et voilà. Bon, super film. Bon, je vais avoir l'argent après. Ça, c'était pas prévu en fait. Ça, c'était pas prévu en fait. Ça, ouais, mais c'est pas prévu. Ouais, j'espère bien. Ouais, j'espère bien. Et puis après, bah, je sais. Tu l'as dans ton compte en banque là, j'ai un 5 millions. Ah, ouais, c'est bon, je l'ai vu. Mais dans la Monopoly, ça, 5 millions. Tu te fous de moi? Non. En paye, tu as eu que 5 000 euros. Ah d'accord. Ah d'accord. Ça me va en paye. Parce que 5000 euros c'est beaucoup. 5000 euros c'est beaucoup. On disait que ouais j'avais eu 5000 euros. J'avais eu 5000 euros. Ah ok. Bon bah peut-être à la prochaine pour un nouveau film. Oh. Bon, je vais appeler mon poteau et je vais lui dire de me rejoindre au tequila là. Enfin je vais lui envoyer un message. C'est bon, je l'ai envoyé. En fait là je t'appelle. Ah. Pourquoi il m'appelle si je lui ai envoyé un message? C'est pour te dire que le tequila là ça va pas trop le faire, mais rejoins-moi au magasin de vêtements suburbains. Ok, de toute façon je vais un peu changer de tenue. Et moi aussi c'est justement pour ça. Ah bah alors moi je serais plus au chômage, je pourrais m'acheter une baraque et tout. Donc c'est parfait. C'est parfait. Allez go, hop. Nanana. Désolé, c'est la même tenue que quand j'ai fait le film. Pas grave, pas grave. Bon alors, on va voir ce que je vais mettre. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Moi j'ai ma nouvelle tenue. Fais voir, tu prends un petit chapeau. Ouais. Ouais, ça c'est bien. Ça. Ah zut, j'ai pas assez. Bon, c'est pas grave, je vais mettre ma petite casquette. Voilà. Alors, j'ai une belle tenue. C'est bon. Un petit de copier, on va. Thanks, have a nice day. Petit recopieur, là.
Je t'en veux pas. Moi, ça sera fort. Eh oh, attends. Dès qu'il y avait une explosion et tu savais pas à ouais, cause mais de attends. Quoi. Attends, eh oh, avant que t'exploses juste. Eh oh, mais t'inquiète, de toute façon, on va faire les beaux comme ça. Bon, attends, j'arrive. Ouais. Oh, en casquette, je vais prendre de bas. Qu'est-ce que je vais prendre en casquette? Bon, bah, on va prendre pareil. On va faire le petit coquin. Attends, je te dis quand j'aurai fini. Hein. On disait que t'avais ta tenue. Et quand tu venais, je te disais, bon, bah, viens, on va au bagnole. Et là, d'un coup, ça a explosé. Ouais, attends 2 secondes par contre. Allez, go. Allez, go. Je vais sortir. Allez, viens. Ouais. Ça fonctionne pas? Merde! Ah, peut-être parce que je suis dans le magasin. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Qui nous a fait ça? L'enflure, si je le retrouve. Je sais pas. Attends, je vais appeler mutuellement. Pour racheter mon véhicule. J'ai bien peur de savoir qui c'est. Mutual, we're here to help. Oh aïe aïe aïe. I think we can do that. C'est qui? À mon avis, c'est Vladimir. Quoi? J'explique. Vladimir, avant, il était un criminel. Mais il a jamais perdu sa passion pour les explosifs. T'inquiète, je vais aller le voir. T'inquiète pas pour moi. Je le retrouverai. Bon, attends, je vais appeler pour tous mes véhicules mutuellement. Je te prenais en otage en tant que Vladimir. Ouais. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Bon, voilà tout. Bon, je vais faire croire aux flics que je suis mort parce que sinon ils vont croire que je suis un voleur. Tu montais sur toi et tu disais, tiens, je l'ai vu sur toi, j'ai monté. Ouais. Ah, je suis un bon acteur quand même pour faire croire que je suis mort. Attends, et mon dernier véhicule à racheter? Je te jure, c'est bien parce que je te pointerai sur l'échelle. Ouais, ah, mais j'en étais sûr. Je le sentais pas, ce mec. Au début, je le sentais pas, et sur le coup, après, j'ai pris confiance, mais j'aurais pas dû, je sens. Et je le vois en haut. Ouais, tu bouges plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ma petite blague? Ouais. Enfin, non. Et tu sais, en fait, j'ai pas l'accent. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, je descends, j'arrive. Oh, ce qu'il est tombé. Ah, pourquoi tu m'as poussé, connard? Qu'est-ce que tu me veux? Moi aussi j'ai une arme, hein, tu crois quoi? Ah bon? Tu me tirais pas dessus? J'ai le don de pouvoir assommer! Tiens! Dégage! Je te jure, dégage! On dirait que j'arrivais à te battre. Attends, mais avant on se frappait un peu, on disait. Tu me dis quand t'as... Ouais. J'ai plus de vie. Ok, moi aussi. Oh merde! On disait que t'étais juste évanoui, je croyais que c'était bon. Et voilà. Bah, je vais partir. Et ça dégage. Sérieux. Et je me casse. Ah, en plus, il m'a déplacé jusque là-bas. Chien! Prends dans tes dents! Il est en train d'assommer. J'ai plus qu'à me barrer. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, il m'a frappé, le gars. Tu m'as vu monter, du coup, tu t'es décidé de me poursuivre. Ouais. Oh, il est là-bas. Et au bout d'un moment, je disparais dans la cour. Ouais, mais à un moment, je te tuerai à la fin du RP. Hein. Bon, allez. J'ai vu là-bas. Désolé, madame, j'ai pris votre voiture. Faut que je sois discret.
merde. Tu m'as vu? Non, j'étais discret. Ah, mais j'avais vu que tu m'avais vu. Oh, il est là-bas. Il est là. Vite, l'échelle, l'échelle, l'échelle. Hop. S'il me pointe, il pourra pas. Enfin, il peut pas me pointer. Et là, tu devais t'arrêter parce que je te pointais. Arrête-toi! Non, 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 non. Ah, oh, merde, je l'ai raté. Ouais, oh, merde. Oh, merde, je l'ai raté. Il doit être sûrement en haut. Oh, non. Il peut pas sauter. Exact. Alors, Vladimir! Dans la merde! Eh ben... Non! Oh. Il a pas fait. Il est où? Je t'avais pas vu. Vladimir! Oh putain! Je vais descendre en bas. Oh! Oh! Ah. Attention! Oh, oh, oh. On fait moins de malin! T'as un problème, fils de pute? J'hésiterai pas à te re-assommer une fois. Ouais, moi j'hésiterai pas à appuyer sur la gâchette. J'ai une gâchette facile, tu sais. Il a vraiment cru qu'il pourrait. Personne n'arrête le feu des explosions. Je suis un peu le chacal de la vie. Il va voir. Et là, on se retrouvait, tu sais, à la maison de riche où il y a très. Enfin, où il y a ça eu très. Là où j'étais. On disait que c'était 3 jours plus tard, tu me retrouvais, on repartait encore. Ouais, cette fois j'étais bonne nuit, ça y est. Bon, allez. J'ai pas perdu l'affaire. J'ai peut-être perdu une bataille, mais j'ai corrigé le tir. T'inquiète pas. Bon. J'ai gagné la bataille et je gagnerai la guerre. Qu'il disait toujours mon grand-père. Ouais. Mmh. Bon. Merci, ouais. Merci. Oh, je le vois. Tu m'avais pas vu, hein. Non, mais tu m'avais pas vu. On a vu que la dernière minute, je te voyais. Attends, ouais, mais là, tu peux pas. Là, je montrais pas ma tête. Tu bouges plus, je t'ai dans mon Vésu. Papa. T'étais évanoui. Enfin, tu pouvais plus bouger. Ah. Oh là. J'espère que je l'ai pas tué. Merde. C'est pas que je l'ai tué. Attends, je vais aller le chercher. Je vais mettre la plus grande boule de ce sac. Waouh, waouh, waouh. Oh. Oh. Oh, c'est encore on toi. On me retrouve. Eh, t'as pas intérêt de me frapper. Eh, reviens. Attends, je démarre pas, je démarre. Oh, oh. Hop. Ciao. Oh, enflure. Heureusement que j'ai mis une puce. Je vais savoir où il est. Oh, merde. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai? T'avais une panne de quoi? T'avais une panne. Hop. Ah non, non. Oh. Oh, il a fait exprès, il a crevé une roue. Voilà. Ça te ralentissait. Ouais. Ah. Ah. Je vais jusqu'au port de pression pour me réfugier. Nous, c'est en fur. Je vais le trouver. Bon, avec mes 5000 euros, maintenant, j'ai pu tout m'acheter. Il va voir. Hop. Hop. Je le vois, il part au parc d'attractions. Oh, oh. T'avais pas vu que j'avais mis une puce. T'as vu première personne. Hein. Mmh. T'avais pas vu que j'avais mis une puce. Hop. Ah ouais. Attends, là je la mets un peu la vue. Oh. Ah, vite, vite. Il est passé où cette enfure? Ah, je l'ai vu sur son GPS. Par contre, il n'y avait plus toi dans la voiture. Ah tiens, il s'est arrêté. Sûrement à cause de la roue. Et du coup, t'avais plus la puce parce que tu l'avais mis sur la voiture et pas sur moi. Ouais. Bah merde. Bah merde alors. Bah pourquoi t'as fait démarrer cette attraction, putain?
Tiens. Oh. Oh. Et j'ai entendu un bruit. Oh. Hein? Vladimir! Non! L'ont monté sur la rafale. On s'est enfuir. Je vais pas le laisser passer cette fois. De toute façon, je lui ai enlevé ses armes. Et par contre, il court vite. On s'est enfuir. C'est bon. Il a sommé, mais pas pour longtemps. Oh, aïe. Oh, oh, la police. Tiens, j'ai entendu des tirs. C'est dans... par là-bas. Merde. Ok, aïe. Oh, aïe. Ne tire pas dessus, mec, j'ai plus de vie. Bah ouais, mais à un moment, je te tuerai bientôt, vu que j'ai envie. Mais c'est trop stylé, on part en poursuite et on va jusqu'à mon yacht et dans mon yacht. Ah, il est parti en jet ski. Attention. Ah, mon yacht à moi, mais... Oh, heureusement que je suis musclé à la tête, hein, pour pas me faire mal. Oh, il s'est cassé, c'est un fleur. Ah, il va... Non, il va à mon yacht, là, c'est pas possible. Ah, c'est un fleur. Je vais pas le laisser passer, il veut se cacher à mon yacht. Il croit que je l'ai pas vu. Je le vois tout là-bas. Oh, oh, oh. Et c'est sur mon yacht que je te tuais. Vite, vite. Oh merde, en plus il... Oh mince, il y a des flics en plus. Voilà. Vite, vite, vite. T'arrives à monter sur mon bateau sans que je te vois. Oh. Dès que je t'avais pas vu et là d'un coup tu me disais tu bouges plus. Ouais, mais là t'avais plus d'armes. Je t'attendais par en haut. Attends, ah, tu m'avais pas vu derrière toi. Par l'arrière. Et ouais. Au bout d'un moment, quand on sera bien au milieu de l'océan, tu me diras tu bouges plus. Attends, merde. Tu t'essayais à côté de moi sans que je le vois. Concentré sur toi. Attends, tu me voyais pas. Hop. On va aller au plein milieu de l'océan. C'est bizarre, comme ça il me voit rapide. Je me dois mieux. Par contre, pas trop, hein, Mathilde. Voilà, ici, là, on voit même plus l'eau, tantôt. Là, tu t'arrêtais. Et là, tu te disais, ah, c'est bon. Je suis... Alors. Je disais qu'en pleine route, tu me disais, allez, stop-toi, voilà. Allez, c'est terminé, connerie. Stop-toi. T'as une arme pointée sur la tête. Là, tu revenais. Oui, oui, c'est parce que c'est l'animation militaire. Viens où tu crèves. Oh. Ok, c'est bon, je viens. Là, t'as plus d'armes. Enfin, je vais t'enlever tes armes, parce que là, je t'avais tout enlevé. Téléphone et tout. Tu te fous de moi, là. Je te jure, je serai capable de te niquer. Désolé. Je vous ramène au rivage. Ouais, non, mais écoute, je t'avais attaché au siège. Bon, je t'ai attaché à côté de moi. Attends, assis-toi. Désolé. Alors je vais t'emmener chez... Non, tu t'es attaché. Ok, non, je te reviens. Et reviens. Attends, je vais bien t'attacher avec du sketch. Avec du scotch. Ah merde, t'as plus bougé là. Et colle hyper fort. Je veux conduire. Tu crois quoi? Bon, maintenant, tu vas venir près de chez moi et on va régler notre compte. Parce que vu tout ce que t'as fait, et je te préviens aussi, tes gardes, je peux te dire qu'ils sont plus là, hein. Je leur ai fait, comment dire, ils sont morts. Et donc, ce que je voulais te dire. T'as tué Johnny Depp ? Ouais, et ce que je voulais te dire, j'ai vu que t'avais, non, mais arrête de sauter. Bon, tu venais à mon yacht, on disait que je t'avais dit. Bon, tu as monté sur mon yacht, hop, et tu as me donné tout l'argent que t'as dans ton sac. Que tes petits Monopoly là, ça va bien. On disait que tu barrais, on disait que tu montais sur le yacht en premier, et moi je me cassais à la plage, m'échouais tout de suite. Ouais, j'arrivais en jet ski. Allez, tu viens. Ouais, qu'est-ce que tu fais?
Ciao, à plus dans le bus. Ciao dans le bateau. Ciao dans le métro aussi. Il prend vraiment me sonner. Et là par contre là tu t'es écrasé, là t'étais évanoui. Et là vraiment je pouvais t'avoir. Parce que sinon c'est sûr. Tu t'étais cogné après, contre un mur. Après j'aurais un petit test à faire. Ouais. Il est là-bas. Oh, ding. Oh. T'as vu et la belle AK-47 que j'ai eu? Elle est belle, hein? Tu la voudrais peut-être? Elle est magnifique. Bon, maintenant. Oui, tu veux la voir de plus près? Moi, je te disais oui, tu me tues. Ouais. Tu veux la voir de plus près? Tu veux la voir de plus près? Bah oui, pourquoi pas. Ok. Yeah oh, reviens. Tu veux la voir alors plus près? Attends, VFS, ça va être bah classe dans ta tête. Là, tu on disait pas. Que je voulais voir. On disait que je voulais voir la puissance. Attends, tu peux me montrer la puissance, s'il te plaît? Ouais, regarde. Tu disais, t'inquiète, à la dernière minute, je vais tirer en bas. Ouais, t'inquiète, je vais tirer en bas. Appuie sur la gâchette. T'inquiète, elle marche pas. Ah, ok. Hop. Oh voilà. C'est pas une gâchette, par contre, gâchette, ça pète. Ah, il est mort. Ouais, il est mort. Un coup de la tête, ça fait pas du bien, donc il est mort. La tête, alors, vraiment. C'est la fin de la vidéo. Non, on avait dit qu'elle non, était. Non, mais j'ai mon test à faire, ou alors on fera un épisode 2, mais j'ai mon test à faire. Ok, à suivre.